Salut les gars, c'est Flo. J'espère que vous allez bien les gars, parce qu'on est parti pour une assez longue vidéo, j'ai envie de dire. Normalement, je vais essayer de faire plus de matchs vu que c'est ma dernière semaine de vidéo avant les vacances. Vous avez déjà vu la carrière manager qui a duré plus de 40 minutes. J'espère que celle-ci durera tout autant. Donc, on va commencer par avancer. On va jouer un match de Ligue des Champions. C'est, je crois, Celtics. Face aux Celtics. Il me fait jouer quoi aussi, le coach, là? Ouais, milieu latéral, quoi. Je suis milieu gauche. Je sais pas si Ronaldo il va jouer avec moi, s'il va jouer à droite ou quoi. Juste aller vite faire regarder le classement. Alors, on est deuxième. 2 points de retard sur le Barça. Ça va être chaud jusqu'au bout, à mon avis. Ligue des Champions, on est qualifié. Donc bon, on verra bien. Hop, on va lancer tout simplement ce premier match. Je vais juste voir si... attendez. Tiens, il est stylé leur maillot. Tiens, ouais, ils vont jouer comme ça. Ouais, Ronaldo, il est à droite maintenant, c'est bon. Tout le temps à droite, moi je suis à gauche. C'est l'équipe type, ça. C'est parfait, les gars. Allez, on est parti. Match de Ligue des Champions face aux Celtics. Donc là, on est les premiers à attaquer tranquillement. Regardez, je fais une petite feinte de frappe. Passement de jambe, je passe mon défenseur. Je déborde. Et là, il met un petit coup de physique avec un tacle. L'arbitre qui siffle faute. CR7 au coup franc. Du coup, moi, je me place. CR7 qui me la centre. J'essaye de mettre ma tête. J'y arrive pas. Et là, regardez. Mon coéquipier, ce qui rate. Il avait plus qu'à pousser dans le but vide. Mais non, le mec, il s'est craqué. Donc bon, c'est pas grave. Là, je vais continuer à faire des petits gestes techniques. Je passe. Et là, regardez. Je vois Karim partir tout seul. Je le lance. Karim qui va jouer sur Ronaldo. Reprise de volée. Et la belle arrêt de Foster, leur gardien. Mais bon, c'est pas fini. Regardez, hein. 45e minute, juste avant la mi-temps, crochet. Petit placé pied gauche, petit filet. Franchement, il est joli son but, mais bon, ça fait vraiment chier, quoi. De se prendre un but comme ça, direct, juste avant la mi-temps. D'autant plus que, regardez les gars, franchement, juste avant la mi-temps, c'est pas fini. Hein. Il a pas sifflé la mi-temps encore, et regardez l'occasion de vous jouer. Hop, boum, CR7, il m'envoie une balle comme ça à l'arrache. Je rate mon contrôle, quoi. Mon joueur, il rate son contrôle, quoi. J'ai été dégoûté, dégoûté de ouf. Et là, au retour du vestiaire, 51e minute de jeu, regardez, hop, petite passe en retrait, petit placé sous le gardien, ça rentre, 2-0, ça fait mal, ça fait beaucoup, déjà 2-0 là contre les Celtics, et là, regardez, je vais demander la balle, CR7 qui me la met, roulette, enroulé pied gauche, ça rentre, en plus, je débloque un petit exploit, but marqué du mauvais pied, ça fait plaisir, franchement, le but, il est assez propre, ça va, ce qui est joli, c'est plus la roulette qu'autre chose, voilà, la roulette, elle est propre, enroulé pied gauche, ça rentre, 2-1, on est relancé, on essaye de revenir un petit peu dans ce match, même si voilà, ça va être vraiment compliqué. Donc là, regardez, c'est tout de suite après avoir planté le but. Hein. Encore une occasion tout de suite après avoir planté le but, les gars. Regardez, c'est pas fini. Hein. Murphy qui va partir, il rentre dans la surface tranquillement le type. Hein. Les deux, ils sont là. Et voilà, centre au deuxième poteau à ras de terre. Personne met le pied, personne fait rien. Et on se fait fusiller. Donc voilà, du coup, on arrive en fin de match. Et défaite 3-1 qui fait très très mal en Ligue des Champions face aux Celtics. On s'est fait violer, les gars. Franchement, c'était abusé. On s'est fait manger devant Benzema. Il pue la merde. Voilà, quoi. La défense, j'en parle même pas. On a une défense, c'est abusé. Putain, le Barça qui a perdu contre Tottenham. 1-0. Ah, là, on s'est vraiment fait manger, quoi. Abusé. Ouais, mais attends, c'était... On va juste regarder, je vais juste aller voir vite fait. Vite fait le classement en Ligue des Champions pour voir si on est toujours premier. Normalement on est premier. Hein. Normalement on est toujours premier. Putain, on est deuxième. On finira, on va jouer contre du lourd, ça veut dire on passe, ça va, on passe, mais. Putain, on va jouer contre soi. Le Bayern, l'AS Rome, PAOK. PAOK, ça serait pas mal. Juventus. Valence, Chelsea, Tottenham. Ah, ça va être chaud. On verra bien, on verra bien. Tac, tac, tac. On se retrouve maintenant en championnat. On joue qui là? Real Betis. Je sais pas combien ils sont. Je sais pas du tout. En tout cas, c'était vraiment la galère là. Là, dans ce match-là, j'ai vraiment galéré de fou. Il n'y avait pas d'occasion. Ronaldo, il était esselé. Et puis, franchement, Contrao, qu'est-ce qu'il défend mal. Mais même l'autre, là, comment il s'appelle? Arbeloa. Oh là 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 là. Misère.
Misère, laisse tomber. Le mec, tu lui mets une feinte de frappe, il se couche, il s'assoit par terre, quoi. J'ai pas compris. Bref. En tout cas, c'est quoi l'équipe A? Voilà, déjà, il y a Sirigu qui revient dans les buts. Encore Cuentrao à gauche. Gonoul à droite, ça va être déjà beaucoup mieux que le vieux Arbeloa. Ramos et Rubio Robles, je connais pas. Di Maria, Ronaldo, Brozinski, Benzema. Bah, Ronaldo, il joue pas. Moi, je suis... Est-ce que je suis bien? Attendez. Mes actions... Non, c'est pas mes actions. Mes actions servent juste à savoir mes stats. Je coûte 49 millions... Et mon attribut le plus fort, c'est le dribble, 90. Je voulais juste voir un truc. Voilà, c'est ça. L'énergie, parfait, je suis à fond. Allez, on est parti. On joue contre le 10e. Et, attendez, j'ai vu un truc de ouf, là. Ils ont joué un match de plus, pas possible. Ah oui, ok. Ils ont joué un match de plus, c'est pour ça que je comprenais pas. Bon, bah, faut absolument gagner, parce que le Barça, il a gagné. Donc, si on veut pas être à la traîne et être dans la merde en fin de championnat, faut gagner tout de suite et revenir sur eux. Donc on est parti face au Betis Séville. Je vous annonce les gars qu'il va y avoir pas mal de buts dans ce match. Et là, regardez, les premiers attaqués, c'est les joueurs du Betis. Regardez, contrôle, frappe pied gauche, ça passe à ras du poteau, mais c'est pas cadré. Là, regardez, 8e minute de jeu, je la demande, je fais un 1-2 avec Benzema, il me la met, j'accélère, je frappe parce que je sens que le défenseur arrive sur moi, ça rentre 1-0. J'ai frappé direct parce que je sentais que le défenseur à l'arrivée, il allait mettre le pied. Donc du coup, j'ai préféré tirer, avoir une occasion. Avec la chance que j'ai, bah, c'est rentré, donc je m'en sors bien. 15e minute de jeu, hop, petite feinte. Je rentre dans la surface. Petite passe au deuxième poteau. Et là, bien joué champion. Bien joué ma gueule, c'est ça que je veux voir. Regardez en plus avec sa tête de champion, là, il a smatché ça comme un boss. Bien ouais, ma gueule, c'est ça que je veux voir. Bien joué Karim. Franchement, il me rend fou des fois Karim Benzema. Là, je gagne mon duel de la tête. C'est pas tous les jours les gars, franchement, avec mon petit joueur. Là, il me fait une petite talonnade, je fais un petit dribble, je rentre face au but, et là, la frappe, petit placé, pied gauche, tranquille, pépère, 29e minute de jeu, 2-0, là, je me dis, ça va, on est bien, tranquille, on est bien lancé dans ce match, on a deux buts d'avance, c'est pas fini, je récupère tout de suite après leur engagement, je joue sur Karim qui me la remet, je fais une petite roulette, je la remets pour Karim, crochet de Karim qui tire, Karim qui bute, tranquille, pépère le type. Il peut te faire des trucs de merde et d'un coup, il met un but comme ça, le type. 3-0, c'est pas fini, les gars. 37e minute de jeu, roulette entre les deux et la frappe sur le poteau. J'étais dégoûté. Bon, derrière, il fusille le gardien, Lucas Silva, mais bon, j'aurais bien aimé marquer ce but-là. Il était joli, roulette entre les deux et puis la grosse frappe qui tape le poteau. Ça fait chier. Mais 4-0, 58e minute de jeu, c'est pas fini. J'accélère et là, hop, petit Ronaldo chope, je passe, j'arrive dans la surface, je fusille. Magnifique. Magnifique, rien à dire. Franchement, ce qui est bien dans ce but-là, c'est le Ronaldo Shop, que c'est pas un Ronaldo Shop comme les autres. C'est le Ronaldo Shop de la deuxième façon. Je sais pas si vous savez, les gars, mais il y a deux façons de faire pour un Ronaldo Shop. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, quand je ferai peut-être un tuto. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas le matos pour faire un tuto. Là, regardez le but de ouf de Gomez, franchement. Le type, il venait de rentrer. Hein. Il venait de rentrer, le type, et il fait un contrôle, une frappe de loin. Ça rentre 6-0. Et là, je vais avoir la dernière occasion du match. Grosse frappe. Je cadre pas. L'arbitre qui siffle la fin du match sur ce score de ouf de 6-0, les gars, avec un quadruplé. Je voulais mettre mon quadruplé, les gars, quoi. Dégoûté. Non, je rigole. Magnifique match. On les a froissés, laisse tomber. C'était abusé. 6-0 à l'extérieur. Même Benzema a marqué, pour vous dire. Même Gomez a marqué, quoi. Le mec qui est tout le temps sur le banc, il rentre. Il a joué 5 minutes ou 10 minutes. Et il marque. J'ai réussi un triplé, Flonox est le héros du match après ses 3 buts passés à l'adversaire face au Betis Séville. Ça fait plaisir, mettre un triplé. On revient à 2 points du Barça. Et là, si on leur met pas 4-5-0, je pense que là on va mettre pas mal de fessées dans ce championnat parce qu'il y a pas mal de petites équipes. Continue malgré l'absence d'informations, on s'en fout. Parce qu'il y a pas mal de petites équipes et là on va jouer face au Rayo Vallecano. Donc ils sont derniers, ils ont 3 points. Ils ont gagné qu'un seul match. Autant vous dire que ça sera pas contre nous qu'ils vont prendre des 3 points. Enfin, j'espère. Parce que... C'est ça, le niveau légende, c'est que tu joues. Et le dernier peut être tout aussi fort comme si tu jouais contre le Barça ou contre Valence, contre l'Atlético Madrid. Ou, tu vois, c'est ça qui est mal fait. Ils devraient faire des degrés de... Même si tu joues en légende, ils devraient faire quelques degrés de différence, quoi.
Alors, Di Maria. Oh, en plus, je suis BU. En plus, je suis BU. Si je plante pas là, je sens que je vais planter pas mal de buts là. Je vais juste regarder les gars vite fait. Mon énergie est à fond. Franchement, là, je vais juste aller voir mes stats. C'est où? Non. Pas mon pro, ma carrière. Non, c'est pas ma carrière. Putain, j'ai perdu. Mon club. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Mon pro. Voilà, c'est ça. Exploit. Juste savoir les exploits que je dois faire. Parce qu'à mon avis, je vais mettre pas mal de buts. But en dehors de la surface. Faut que je mette un but en dehors de la surface, c'est sûr. But sur reprise de volée. Vas-y, on va tenter une reprise de volée. But sur reprise de volée dans la surface. Faut que je mette une reprise de volée dans la surface et j'ai trois exploits. Ok. But de la tête, but en dehors de la surface. Faut que je mette des buts en dehors de la surface et reprise de volée. Faut que je m'en rappelle. Allez, on est parti, les gars. On est parti face au dernier du championnat qui n'a que 3 malheureux petits points. Et en plus de ça, on joue à domicile, quoi. Santiago Bernabéu. Allez, on est parti, les gars. Je vous annonce tout de suite, les gars, va pas y avoir énormément d'occasions dans ce match. Regarde, ça commence déjà à la 20e minute de jeu. C'est pour vous dire, franchement, c'est vraiment tendu. Là, j'ai une petite balle dans la surface. Hop, je fais une petite feinte. J'enroule pied droit, pleine lucarne. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Il est magnifique, le but. 1-0 à la 22e minute de jeu. Et derrière, il va plus se passer grand-chose. Mis à part, regardez cette occasion. Là, je vais la demander. Je suis hors-jeu, je me replace. Je la redemande, je suis pas hors-jeu. J'arrive face au gardien. Je mets une grosse frappe et je cadre pas. Là, j'étais dégoûté. J'ai dégoûté, boum, on arrive en fin de match, les gars. C'est vraiment pas passé grand-chose, comme je vous ai dit. Bon, le plus important, c'est quand même de gagner, de rapporter les 3 points. Donc, c'est chose faite. Bon, on a gagné 1-0. Le plus important, c'est quand même les 3 points. Après, voilà quoi. J'ai tenté, je voulais mettre le petit but de l'extérieur de la surface, mais ça n'a pas marché. 4-0, quoi, le Barça, tranquille. Mettre des fessés, eux aussi. La hiérarchie était respectée, ouais. Il a été respecté un petit 0 hein, face au dernier. Alors qu'on met un 6-0 contre le 10e ou 13e, je sais plus. Je comprends pas trop. Alors, ouais, je joue. Je joue. J'avais cru qu'il allait me faire reposer quand même. Parce qu'on joue quand même contre Cordoba, là. Une équipe de. Je sais pas combien. Je sais même pas quelle division il joue. Là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, tu vois. Ou après, on arrive au mercato, les gars. Et après, il y a 2 semaines sans jouer là. Et après, on reprendra face au Espagnol Barcelone. Hop, prochain match. Disputé. Allez, on est parti, les gars. J'espère planter pas mal de buts. Ça serait pas mal. Et surtout un but du gauche de l'extérieur de la surface. On n'a pas encore joué en violet là. Ah bon, on va jouer en blanc parce qu'on va les mettre en noir. Allez, on est parti, les gars. Faut vraiment planter. Du pied gauche. Allez, on est parti. Bon, ce match, on joue contre Cordoba, une équipe vraiment très très faible. Et là, regardez, petite feinte, ça commence fort. Et là, regardez bien, boum, frappe pied gauche, ça rentre. Là, vous dites, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, vous regarderez à la fin de ce match-là, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Franchement, vous allez voir que c'est un petit peu bizarre, j'ai envie de dire. Mais bon, on continue dans ce match. On arrive à la 45e minute de jeu. Je temporise tranquillement, je fais une roulette. Là, je la passe à mon coéquipier. Il frappe. Bon, heureusement, il cadre. C'est déjà pas mal. Je vais pas lui en demander trop. Mais bon, il aurait pu planter. Ça aurait été parfait. Là, je m'en demande en profondeur. Je fais une reprise de volée directe. Le gardien, ça sent que c'est une équipe, tu sais, en division 4 ou division d'honneur, tout pourra. Parce que le gardien, il est vraiment moisi. Il fouette. Il fouette à mort, le gardien. C'est un truc de ouf. Et là, regardez. Contrôle, reprise de volée, but. Vous dites, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous faut un ralenti, les gars. Je vais vous mettre le ralenti. Franchement, même moi, j'ai pas compris. Je dis, putain, c'est contré, ça aurait pu être pour moi, quoi. Non, c'est pas contré, les gars. C'est regardez, frappe, et hop, la reprise de volée. C'est même pas un truc contré bizarre et tout, quoi. Toucher de la cuisse ou je sais pas quoi. Lui, il a direct mis la reprise tranquillement. Là, à la 70e minute de jeu, je rentre dans la surface. Je vais avoir une occasion, je frappe. J'aurais vraiment dû centrer au deuxième poteau. Il y avait 3 coéquipiers à moi. Mais derrière. Il y a corner, CR7 qui tire le corner, je la demande au premier poteau, et là je claque ma tête, je marque mon petit but, ça fait un petit doublé, 3-0 à la 73e minute de jeu, on peut dire que c'est fini pour eux, mais voilà, c'est pas fini, regardez, là, il va y avoir une contre-attaque encore une fois, hein. Là on tape la pointe, j'accélère, je tape une pointe de ouf, et là regardez, le gardien, hop, je passe le gardien, mais derrière, les deux défenseurs, ils m'ont défoncé, ils m'ont dit, tu marqueras pas mon gars, fais pas le malin, et voilà, l'arbitre siffle la fin du match. Ça s'arrête sur ce score de 3-0. Bon, belle victoire. 7-0 cumulé. C'est un score logique, j'ai envie de dire.
Victoire logique, les gars, hein. Jouer quand même contre une petite équipe. Mais le seul truc que j'ai pas compris, c'est mon premier but. Il était un peu chelou. Juste tir raté, but. Il était un peu chelou. Je sais pas, la frappe est trop bizarre. Elle fait un vieux rebond. Et attendez. Elle fait un vieux rebond tout pourrave. Et le gardien, après, je sais pas, il fait quoi. Il la touche en plus. Il est vraiment moisi, le gardien, quoi. Sérieux, quoi. La frappe, toute dégueulasse. Vraiment, ça se voit que le mec, il a un pied gauche tout pourrave, quoi. Un vieux rebond dégueulasse devant le gardien. Et je sais pas, je pense que c'est peut-être le rebond qui fait que je plante le but. Mais bon. Au moins, j'ai eu mon exploit, les gars. Après, on est passé. Le Barça qui a gagné juste 1-0 contre Almeria. Les gros scores, Volcano, 3-0. Putain, bah, eux, ils arrivent pas à gagner en championnat. Et ils arrivent à gagner en coupe, par contre. 3-0 contre une équipe qui est 10e. On va comprendre. Putain, là, c'est que de la coupe. Coupe d'Espagne. Ah, ok, c'était pour ça. On n'était pas encore qualifié. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de match, en fait. Pendant 2 semaines. Mais si, il y a des matchs, c'est la coupe, en fait. Coupe d'Espagne. Face à Getafe, extérieur. Domicile, match aller, match retour. Je comprends pas, c'est quoi ça? Pourquoi il y a match aller, match retour? En Coupe d'Espagne, ouais, si, peut-être. En Coupe d'Espagne, je crois qu'il y a match aller, match retour. Ouais. Il me semble que, ouais. Si, c'est ça, ouais, je suis un ouf. Robinho, il est à Valence, les gars. Je viens de voir ça dans le classement à droite, là, des buteurs. Tiens, d'ailleurs, on va aller faire un petit tour. Ah, mais c'est les buteurs de la Coupe, attendez. Coupe d'Espagne. Statistique joueur. Meilleur buteur. Tac, tac. Robinho, Valence. Cristiano Ronaldo, il est là. Hein. Moi, je suis deuxième avec mon doublé. Je viens de mettre juste un doublé. Ronaldo, 2 passes décisives. À chaque fois que Ronaldo, j'avoue, je marque pas mal de buts dès que c'est Ronaldo qui me fait les passes décisives. Surtout sur corner. Je marque jamais sur corner et dès que Ronaldo, c'est lui qui tire les corners, ça rentre. Donc, il faudrait peut-être que... Est-ce qu'il va me faire... Oh là, il va me faire jouer, c'est sûr. C'est sûr, parce que je gère mon effort à chaque fois. Dès qu'il reste les 15 dernières minutes, même par exemple, de 35 à 45, je fais plus d'effort. C'est-à-dire que mon joueur, je le fais marcher limite sur le terrain. Je fais plus trop d'effort. Comme ça, je sais qu'au retour de deuxième mi-temps, je serai en forme. Pareil, si on gagne 2-3-0, les 15 dernières minutes, voilà. À part s'il y a une longue... Je vois qu'il y a une belle contre-attaque à jouer, je vais courir, mais sinon... Sinon, voilà, je me donne pas à fond quoi pour être en bonne condition pour le prochain match. Hop, on est parti pour ce match face à Getafe à l'extérieur. Allez, on est parti, les gars. Match aller de la Coupe d'Espagne face à Getafe. Et vous allez voir que c'est les premiers à attaquer. Regardez, franchement. But PES, mais bon, voilà, c'est l'efficacité. Ils jouent face au Real de Madrid. Donc, bon, ils marquent comme ils peuvent, hein, j'ai envie de dire. Et on s'est vraiment fait manger, regardez. Première occasion à 45e minute de jeu. Je fais ma roulette, je tape ma pointe. Il joue en profondeur, je la redemande tout de suite parce que je sens qu'il va foirer. Et j'arrive face au gardien, voilà. Plein de lucidité, de sang-froid, de finition. Non, je rigole, j'ai eu pas mal de chance. Un petit placé, tout dégueulasse, mais qui est vraiment très important. Un partout, là pareil, je pars en profondeur. J'arrive face au gardien, je vois CR7 qui suit là-haut. Je fais un petit but PES. CR7 qui met une petite balle piquée, le mec il a rendu le but un peu plus beau, on va dire. 75e minute de jeu, on passe devant eux. On a eu une occasion juste avant la mi-temps et une occasion à la 75e, c'est tout. Et là, 80e minute de jeu, 3e occasion, regardez les gars. Hop, petit enroulé pied gauche. Ça rentre. 3 buts à 1. Vraiment, je pense qu'on les a... On a fait un joli hold-up, joli vol. Ils devaient être vraiment dégoûtés, les joueurs de Getafe, parce que franchement, ils ont vraiment, mais vraiment bien joué. Donc, il n'y avait rien à dire. Mais au final, on a quand même gagné. J'ai envie de dire, on s'en sort pas trop mal, les gars. Parce que franchement, la première mi-temps, on s'est fait complètement manger. D'ailleurs, je sais même pas comment on fait pour revenir à égalité à la mi-temps. Voilà, juste, on a juste fait un tir. C'est un truc de ouf. Ou deux tirs, je sais pas, en une mi-temps. Et on a marqué, on a égalisé juste avant la mi-temps. Derrière, la deuxième mi-temps, voilà, on s'est un peu réveillé.
Même si voilà, c'est un but PES, le deuxième, qui nous permet de passer devant. Je fais la passe pour CR7 et lui, hop, il fait une petite balle piquée, tranquille. Il est énorme en ce moment, c'est félicité le manager. Honnêtement, j'envisageais de le mettre au repos pour ce match, mais il est revenu me demander de jouer. Et après mes réflexions, je l'ai réintégré dans l'équipe. Mais oui, genre tu vas laisser souffler Cristiano, quoi, s'il te plaît, quoi. Arrête un peu. Arrête de fumer, mon gros. C'est pas ça. C'est Cristiano ou pas? D'ailleurs, Cristiano, il est là, hein. Deux buts. Bon, moi, je suis passé devant, vu que j'ai remis un doublé. Et là, on va rejouer pendant là. Genre, on va bien avoir le temps de se reposer. On va jouer notre... Ah bah oui, mais là, d'abord, il y a le mercato qui arrive. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas. Je vais finir ma saison. Même peut-être une deuxième, on sait pas. Une troisième, peut-être un jubilé. Peut-être rester toute ma vie au Real. Non, je rigole. J'ai dit que je reviendrai un jour au PSG. Je reviendrai au PSG, je pense. Mais avant cela, les supporters se mettent à rêver. Ben, vous pouvez rêver, hein. Après, vous êtes pris 3-1 chez vous. Vous pensez gagner 2-0 chez nous pour vous qualifier? Faut arrêter de rêver un petit peu, hein. Pas déconner non plus. Ouh, Messi qui m'a rattrapé là, au classement des buteurs, là. Bruma a signé pour un montant de 4 millions d'euros. Je connais pas. Messi me rattrape au classement des buteurs. Je vais le calmer, là, le petit, là, hein. Qui se calme. On va aller regarder vite fait après le classement des buteurs en championnat. Juste, on va avancer. Ça sera le dernier match de la vidéo, les gars. En plus, je suis BU, ça va. En fait, ce qui est bien et moins bien... En BU, c'est bien parce que, voilà, t'es BU. J'aime bien le poste. Mais ce qui est bien en ailier gauche, c'est que je pense que j'ai plus d'opportunités de marquer de but parce que j'ai pas de défenseur central tout le temps sur mon dos. C'est-à-dire que des fois, il y a le défenseur latéral droit, ou ouais, le droit forcément parce que je suis ailier gauche, qui monte, on récupère, il n'a pas le temps de se replacer. Et moi, je suis sur un côté et je perfore direct dans l'axe, je fais un appel dans l'axe et le défenseur central, il est obligé de prendre Benzema ou quoi. Et du coup, je sais pas, ça fait un truc bizarre. Et du coup, voilà, je me retrouve souvent seul dans mes appels. Et là, en BU, c'est beaucoup plus compliqué. Mais avant ça, non, on va juste aller voir vite fait. Le classement, voilà, toujours 2 points d'avance sur nous. Le Barça. Stade joueur, je suis premier. Sanchez, 11 buts quand même, le petit Sanchez. Messi, il n'est pas là. Benzema, 6 buts. Cristiano Ronaldo, 7 buts, alors que lui, il n'est même pas titulaire. Merde, c'est pas ça. Je vais aller voir les passes décisives. Passes décisives, c'est simple. Full Knox, Benzema, Di Maria. Ça, c'est réglé. Sain, qui est en 13e position. On va juste aller voir vite fait un petit peu. Est-ce qu'on peut voir les autres championnats? Compétition de club, non. Autre championnat. Autriche, non. Belgique. Ok, c'est intéressant, ça je savais pas qu'on pouvait. En Angleterre. Chelsea, City, Arsenal. Newcastle qui est quatrième. Eh oui, les gars. Ils sont là les Magpies. En France. Non, ça c'est pas bon ça. Les Parisiens, vous allez remonter ça en fin de championnat. Quand je reviens, je vais vous voir devant Marseille. Hein. L'OM, Paris, Saint-Etienne, Lyon, le LOSC. Ouais, c'est pas dégueulasse. Hein. Dortmund qui est devant le Bayern. Ouais, tu vois, c'est un peu comme nous. Ils se tirent la bourre tous les deux et ça se joue que entre eux deux. Derrière, ils ont trop de points d'avance. République d'Irlande, on s'en fout. Italie. Milan, l'AS Rome, la Fiorentina, la Juve. Ouais, je pense que la Juve devrait être beaucoup plus haut quand même. Il aurait peut-être en train de se battre contre Milan. Naples aussi, peut-être plus haut. L'Inter, peut-être un peu plus bas. Non, je rigole. Voilà, bon après, c'est comme ça. Pays-Bas, on s'en fout. Pologne, Portugal. Portugal, Benfica. Ouh, Porto, ils sont mal. Hein. Ils sont mal, les joueurs du Porto. Zenit et Moscou, c'est normal. Anzhi, Matakashkala. Écosse, Espagne, en deuxième division. Et oui, la Castilla, ils sont troisième. Et ils sont les joueurs du Barça. Ou Barcelone B, ils sont 19e, genre. Alors que leurs équipes sont super forts en vrai. Bon, bref. Ce fut intéressant de regarder un petit peu le classement, un petit peu partout. On va arriver à notre dernier match, les gars. J'espère vous avoir fait plaisir d'avoir fait des longues vidéos cette semaine comme ça, avec pas mal de matchs. Allez, dernier match pour se qualifier face à Getafe. En plus, on est à domicile, les gars, donc ça devrait le faire. Allez, on est parti.
Match retour de la Coupe d'Espagne. Cette fois-ci, on joue à domicile. On a fait le taf chez eux, donc bon, 3-1. Donc bon, il n'y a pas de raison de paniquer. Mais on s'était fait ultra demi, donc on s'en est bien sorti. Alors regardez, boum! Une frappe à la Olivier Tom, mon gars. Laisse tomber, reprise de volée, pleine lucarne, sèche. Déjà, je me dis, putain, on est dans la merde. 32e minute de jeu, on est mené. Et là, pareil, 42e minute de jeu, regardez. Hop, petite feinte, le défenseur est parti dans le ZEF. Je cavale, je trace ma pointe. J'arrive face au but. Et là, petit placé, tout dégueulasse. Pas de force, rien du tout. Mais égalisation, 45e minute de jeu. Donc du coup, je me dis, là, ça va. On n'est pas trop mal. 48e minute de jeu, hop, je vois là-haut. Je lance Di Maria. Il me semble que c'est Di Maria là-haut. Et voilà. Et là, il rejoue sur moi. Reprise de volée. Bon, c'est une demi-volée plutôt, mais voilà. C'est le gardien qui la capte. Et là, derrière, regardez. Le gardien qui était venu jusqu'à dans la surface pour essayer de planter un but. C'est une de leurs dernières occasions. On arrive en fin de match. Le gardien qui est retourné dans ses cages. C'est dégagé par ma défense. Le gardien qui n'est pas encore totalement dans ses cages. Là, il récupère. Et là, je balance une patate devant. Je me dis, allez, avec un peu de chance, ça va rentrer. Mais bon, l'arbitre siffle la fin du match, les gars. Donc, du coup, victoire 4-2 cumulée. Le plus important était quand même de se qualifier, les gars. C'est chose faite, même s'il y a un petit match nul. C'est dommage. Ça se trouve, j'aurais pu marquer la dernière frappe, là, la dernière seconde, quand le gardien était sorti sur le corner. Mais bon, c'est pas grave. Contre qui on va jouer, alors? Ok, on est passé. Le Barça qui a gagné 5-2. Villarreal éliminé. Atlético Madrid éliminé par Bilbao. Rencontre. Getafe Real Madrid. Ok, j'ai pas compris pourquoi. Il fait de la place pour le match, peut-être. On avance. Donc voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin, tout simplement, de cette vidéo pour tout le reste des vacances. Prochaine vidéo, je peux pas vous dire de date encore, ça sera fin août à partir du 20, je sais pas quand. Je verrai quand je reprends. Mais voilà, j'espère vraiment que vous avez... joueur du mois, Sirigu. Joueur du mois, c'était obligé. C'était obligé, ce mec-là, là. Attendez, on va juste faire un rapport d'équipe, les gars. 89 de général. Tu m'étonnes qu'il arrête tout, le type. 92 en plongeon, 90 en positionnement, 93 en réflexe, quoi. C'est un monstre, le type. Pepe, ok. Ouais, Di Maria qui a pris plus 1. Ronaldo, un des meilleurs. Ok. Dribble, passe longue. Ok, d'accord. Siek, toujours les mêmes, hein. Casillas, il a combien? Il a même de meilleurs stats que Casillas, limite. C'est impressionnant quand même. Impressionnant comment il est super fort. Comment il s'appelle? Sirigu. Tac, Bruma. C'est où le mec là qu'on a fait signer? On a fait signer un mec là la dernière fois. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Non, c'était pas lui. On a fait signer, voilà, lui. Il a déjà pris plus 3, le type, en 7 matchs. Et lui, je connais pas. Il est gauche. C'est quoi tes stats? Cours vite, hein, quand même, hein. Cours vite pour un mec de 20 ans. Donc voilà, les gars. C'était la fin de cet épisode. Juste, on va regarder vite fait le calendrier. Espagnol de Barcelone, on jouera Séville, là je sais même pas c'est qui, Numancia, là encore Séville au match retour, ce sera, ah merde, il n'y a pas marqué, c'est un quart ou quoi, un quart de finale ou je ne sais quoi, donc là ça sera 1, 2, 3, 4, ça sera ces 4 matchs là, et dans une prochaine vidéo après ça sera Getafe, le Barça, ouïouïouï, élimination de la Coupe d'Europe, là c'est la Coupe d'Europe les gars là. Ça va être l'Euro. On jouera la Russie. La Russie, la Finlande. Ça va, la Finlande. Russie, Finlande. Et Belgique, peut-être. Ouais, et Belgique. Belgique qui est dans notre pool. Ça va être chaud, ça va être tendu, franchement, les gars. En tout cas, les gars, moi, je vous dis juste,
Demain, donc samedi, il y aura deux vidéos. Je pense que le matin, je posterai la série Invincibilité. Et ensuite, juste avant de partir, parce que je vais prendre la route, en voiture pour remonter tranquillement vers l'aéroport. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais juste avant de partir, je vous posterai juste une petite dernière vidéo. Voilà, un face commentary. Ce sera une petite vidéo assez courte, juste pour vous souhaiter voilà, de bonnes petites vacances tranquillement. Donc voilà, les gars. Donc restez connectés demain, vous inquiétez pas, il y a de la vidéo qui sort. Et puis d'ici là, moi je vous dis à plus. Allez, ciao les gars, c'était Flo.